Madame, monsieur, bonsoir. Il y a moins d'une demi-heure, la France a décroché l'or en sabre par équipe. La journée avait pourtant mal commencé pour Damien Touya, blessé à la main droite et qui combattra jusqu'au bout. Les autorités renouvellent leurs appels à la prudence au bord des plages. Aujourd'hui encore, un homme a trouvé la mort dans les Landes, emporté par une mer démontée. En 48 heures, les intempéries auront fait 10 morts et un disparu. Premier conseil des ministres aujourd'hui, une rentrée dominée par la guerre de succession à la tête de l'UMP et par les arbitrages budgétaires. Jean-Pierre Raffarin vient de trancher en faveur des priorités sociales de Jean-Louis Borloo. Dès janvier, la Poste va engager un grand plan de restructuration. Les syndicats craignent la disparition de 6000 bureaux de poste. Deux militants de l'aide aux réfugiés comparaissent depuis ce matin devant la justice pour avoir aidé des clandestins. Depuis la fermeture du centre de Sangatte il y a un an et demi, des réfugiés continuent à affluer dans la région de Calais. Il y a 60 ans, jour pour jour, le drapeau français flottait sur le toit de la préfecture de police de Paris. Un hommage était rendu aujourd'hui aux policiers qui ont mené un combat essentiel pour la libération de la capitale. Et la Marseillaise résonne actuellement dans la salle d'escrime olympique d'Hellénico à Athènes. L'équipe de France a donc remporté la médaille d'or en sabre face à l'Italie sur un score de 45 à 42. Vous voyez quasiment en direct le podium. C'est la victoire de trois hommes, Gaël Touya, Damien Touya et Julien Pillet. Et pourtant, en milieu de journée, tout aurait pu basculer puisque Damien Touya a eu la main transpercée par le sabre de son adversaire. Après 10 minutes de suspense et malgré la blessure, il décidera de poursuivre la compétition. Florent Gautreau. Ils vont pouvoir sabrer le champagne, les mousquetaires français. Les deux frères Touya, Julien Pillet et le remplaçant Boris Sanson apportent à l'escrime française son premier titre au sabre par équipe. Au bout du suspense, Damien Touya marque les derniers points et la touche finale. 45-41, une victoire en or après une journée de folie. Depuis un an, on est là, on a fait des efforts pour être au jeu. Et c'est une belle histoire qui se finit entre nous. Et voilà, c'est super. Il faut dire qu'aujourd'hui, les sabreurs nous ont offert une rafale d'émotions fortes. Demi-finale contre les États-Unis, Damien Touya doit marquer les points décisifs. Sa sœur Anne-Lise, sabreuse elle aussi, ne tient plus en place. 44-44, le prochain qui marque a gagné. Mais le sabre de l'Américain Smart blesse le Français. La lame a pénétré entre l'index et le majeur. Touya a la main en sang. Les parents sont tétanisés et son frère Gaël ne veut pas regarder ça. 12 longues minutes d'incertitude. Ça a duré trop longtemps, c'était insoutenable. C'était soit l'infarctus, je préférais m'en aller. Et puis voilà, j'arrivais plus à gérer. J'ai mal, dit Damien au médecin qu'il soigne, mais il veut continuer, même avec la main bandée. Et courageusement, il remonte sur la piste. Il ne veut pas laisser sa place à son remplaçant. Pari risqué, mais payant. C'est Touya qui touche. Explosion de joie dans le camp français. Les trois sabreurs sont en finale. On connaît la suite. Je l'ai vu après la demi-finale là, avec Gaël pour les féliciter et puis pour leur témoigner tout ce qu'on pouvait ressentir de cette victoire qui est quelque chose de merveilleux pour nous, si vous voulez, les parents, parce qu'elle est avec les deux garçons ensemble, c'est plus beau qu'une médaille individuelle. L'escrime française triomphante, les sabreurs ont plongé le clan français dans un océan de bonheur. Voilà, et on reviendra sur les autres moments forts de cette journée à la fin de ce journal. En France, les autorités renouvellent leurs appels à la prudence le long du littoral. Un homme s'est encore noyé ce matin sur une plage des Landes, emporté par une mer démontée. En 48 heures, les intempéries auront coûté la vie à 10 personnes et causé de gros dégâts en mer et sur terre. Gilles Marinet. D'abord, un bruit énorme comme une explosion. Et puis, le toit de la maison qui disparaît, envolé. Tout s'envolait, tout tombait du toit, je ne pouvais pas sortir. Je me suis renfermée dans les toilettes avec mon chien, jusqu'à temps que je puisse sortir. Hier soir, la tornade a traversé le village de Rozoy-sur-Serre. Un de ces phénomènes météo qui se multiplient avec l'évolution du climat. La perturbation est très limitée géographiquement, mais violente, destructrice pour ceux qui croisent son chemin. Autre tempête. Ici, le vent a soufflé à 130 km/h. Nous sommes dans les Ardennes et là encore, une tornade a parcouru un village, Sachy. De part et d'autre de la rue principale, 20 maisons meurtries. L'électricité est coupée, la voie ferrée encombrée d'arbres et le tout en seulement quelques instants. Les habitants ont tous mis la main à la pâte, à déblayer le plus gros de la route. Pas de blessés, mais les villages sinistrés mettront longtemps avant de retrouver leur physionomie d'avant la tempête.
Ce temps capricieux ne fait pas le bonheur des professionnels du tourisme en Bretagne. Après la canicule de l'an passé, beaucoup de vacanciers avaient choisi le littoral breton pour trouver un peu de fraîcheur. Eh bien, ils ont été servis. Certains ont décidé de plier bagages avant l'heure. Romuald de Bonan. Lever le camp, plier bagages. Après 10 jours de vacances seulement, mais 10 jours d'orage, ces campeurs venus de la région Tourangelle ont décidé d'écourter leur séjour. La pluie et le vent de la nuit dernière ont eu raison de leur patience. Cette nuit, il y a eu de la tempête et tout. Une petite toile là, c'était celle-là à moitié pliée et tout, donc ras-le-bol quoi. Puis bon, le petit ne peut pas aller se baigner et tout, donc c'est pas très drôle. Un mauvais temps qui a fait fuir même les campeurs les plus aguerris, les accros de la toile de tente et du sud de la France, venus en Bretagne cette année avec l'espoir d'y trouver de la douceur. Cette année, c'était pas tellement ça. On croyait que c'était encore la canicule qui allait se récidiver, quoi. Donc on est monté un peu chercher la fraîcheur. En fin de compte, on s'est complètement planté. Vu la météo, je crois que c'est partout pareil, hein, je crois. Dans certaines zones de la Bretagne, il est tombé jusqu'à 80 mm d'eau ces 48 dernières heures, soit deux fois plus qu'en un mois. Du coup, tous les matins dans les campings, c'est le même scénario, des emplacements abandonnés à la va-vite. Ils sont partis en vitesse, hein. On les voit à peine, on dit tiens, celui-là il est parti parce que... Hein. Et beaucoup les campeurs, les petites tentes. C'est dur. C'est très difficile de les retenir une fois qu'ils ont fait le tour de la ville, le tour des musées, étant donné qu'ils profitent peu des plages. C'est une grande circulation, je dirais, un grand turnover. Malgré la météo peu clémente, la fréquentation demeure bonne. Pour les trois premières semaines d'août, beaucoup de campings bretons ont affiché complet. Après les crues spectaculaires en Cornouailles, c'est maintenant l'Écosse qui est touchée par des pluies abondantes. Elles ont entraîné des glissements de terrain importants, bloquant de nombreuses routes. Une cinquantaine d'automobilistes a dû être évacuée et a passé la nuit dans des hébergements temporaires. C'est déjà la rentrée pour le gouvernement. Jacques Chirac a présidé le premier conseil des ministres. Jean-Pierre Raffarin a voulu afficher une certaine sérénité et une ambiance studieuse. Mais ce matin, la question de la candidature probable de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP était bien sûr dans tous les esprits. Pauline Revena, Émilie Lançon. Et c'est reparti. Les voitures ministérielles reprennent le chemin de l'Elysée. Les apparences sont trompeuses pour certains. Le bronzage ne dit pas tout. J'ai pas eu de vacances à Toulon, vous le savez. Je suis toujours maire de Toulon, donc j'ai travaillé notamment à la préparation des grandes manifestations du débarquement de Provence. Mot d'ordre officiel aujourd'hui, la sérénité. C'est très très bien. L'ambiance était très bonne, excellente. Chaleureuse et en plus de ça, chacun était plutôt bronzé. Ce matin, il y avait des questions à éviter. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit rester au gouvernement sur vous ? Seul un proche du ministre de l'économie prend position. Nicolas Sarkozy peut très bien faire sa campagne de l'UMP et en même temps conduire la discussion budgétaire. Il y a ceux qui ont de nouveaux projets. Présentez au sénatorial. Et pourquoi ? Non, vous pourrez en être sûr. Vous quittez le gouvernement ? Non, pas du tout. Quelques instants plus tard, chez Jean-Louis Borloo, entre deux discussions budgétaires, un autre tour de table avec les ministres novices du gouvernement. Et Jean-Pierre Raffarin rappelle son principe de bonne conduite. Et normalement, c'est pas de... Les ministres n'ont pas à penser à eux-mêmes, mais à leur action. Mais une fois entre eux, ils n'ont parlé que de l'élève turbulent du gouvernement, Nicolas Sarkozy, et de son éventuel remplacement. Les ministres savent que la rentrée risque d'être agitée. En attendant, tous ont observé ce matin Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy rire ensemble. Le vrai face-à-face n'a pas encore commencé. Et Jean-Pierre Raffarin a promis d'entamer une nouvelle phase de son action à la rentrée. Il pourra s'appuyer sur une prévision de croissance revue à la hausse autour de 2,5%. Rester à déterminer comment utiliser ce surplus de recettes. Eh bien, Jean-Pierre Raffarin a tranché cet après-midi en faveur des priorités sociales de Jean-Louis Borloo. Agnès Molinier. Conciliabule dans la cour entre Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy. Mais c'est à l'intérieur de l'hôtel Matignon cet après-midi que les choix se sont faits. Comment dépenser les 288,8 milliards d'euros qui constitueront en 2005 le budget de l'État ? Mais surtout, que faire du petit plus généré par la meilleure santé de notre économie ? Initialement prévu à 1,7, la croissance devrait atteindre finalement 2,5% et générer ainsi près de 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Le ministre de l'économie avait persuadé le Premier ministre que cet argent ne devait servir qu'à résorber le déficit public, quitte à renoncer à augmenter le SMIC. Mais ce soir, c'est l'inverse qui se passe et Nicolas Sarkozy prend acte.
Les arbitrages ont été rendus par le Premier ministre et par moi-même. Le pouvoir d'achat, c'est très important. Et le déficit alors? Et la norme de zéro volume d'augmentation des dépenses sera tenue. Jean-Louis Borloo aurait donc été entendu. Le ministre de la Cohésion sociale a plaidé sa cause auprès du Premier ministre mardi sur ses terres poitevines. Pour lui, l'aide aux bas revenus est une priorité. La croissance, elle n'est pas là par hasard. C'est l'augmentation du SMIC. Il faut donc continuer. C'est la parole de l'État. C'est les exonérations de taxes professionnelles et c'est la cohésion sociale. Le social est un moteur économique. Le salaire minimum devrait donc finalement augmenter de 8% en une seule fois en juillet 2005. Cela veut dire qu'en 2003, 2004 et 2005, nous aurons augmenté le SMIC horaire de l'équivalent d'un 13e mois. C'est la politique du gouvernement pour le pouvoir d'achat des Français. Alors que l'emploi est la préoccupation numéro un des Français, le gouvernement semble ce soir vouloir afficher une ligne moins libérale, plus sociale. Après les maraîchers, c'est au tour des producteurs de lait d'exprimer leur colère. Ils protestent contre les industriels qui leur imposent une baisse des prix. Ils étaient plusieurs centaines aujourd'hui dans l'Ouest à investir les supermarchés à Alençon. Sur ces images, ils n'ont pas hésité à introduire une vache dans le magasin pour attirer l'attention des consommateurs. Dès janvier, La Poste lancera un plan de restructuration de ses 12 000 bureaux. Les syndicats craignent la fermeture de 6 000 agences, un chiffre qui pour l'instant n'est pas confirmé officiellement. La direction de La Poste affirme vouloir entamer tout d'abord une concertation avec les élus locaux. Céline Crespi. Supprimé car peu rentable, le destin de ce petit bureau de poste de Marsac-sur-Don en Loire-Atlantique tient en ses mots. Inadmissible, estime le maire, au nom de ses 1 300 administrés. Nous ne pouvons pas à la fois vouloir faire progresser nos communes, voir la population augmenter et accepter que les principaux services se retirent de cette commune. Ce n'est pas possible. À des centaines de kilomètres de là, les 448 habitants de Valigny en Auvergne, eux aussi s'inquiètent. Le bureau de poste, fermé 3 semaines, la guichetière est pour l'instant en vacances, pourrait ne pas rouvrir. Ça va entraîner d'autres départs, hein. Automatiquement, hein, c'est un lieu où les gens se retrouvent. Sans compter que les guichets des alentours n'ouvrent que quelques heures par jour. Et ce n'est qu'un début. Économie oblige, La Poste pourrait rayer de la carte 6 000 bureaux d'ici 3 ans, selon les syndicats. C'est 1 sur 2. À la place, ces points poste, c'est-à-dire des commerçants qui vendent recommandés et timbres. Une catastrophe pour l'emploi, affirment les syndicats de postiers. La Poste a annoncé très, très officiellement qu'elle voulait réduire ses coûts de personnel de l'ordre de 20 à 30%, 30% dans le courrier, 20% globalement. Sur un effectif de 300 000 agents, vous voyez un petit peu la fourchette. La direction n'a pas souhaité nous rencontrer, mais conteste le chiffre de 6 000 bureaux de poste supprimés en 3 ans. Le gouvernement précise qu'aucune fermeture ne se fera sans son feu vert. À quelques jours de la rentrée scolaire, une bonne nouvelle pour les parents. Une enquête réalisée par Famille de France confirme une stabilisation du coût des fournitures. En moyenne, il faudra dépenser 184,73 € pour un élève entrant en 6e. Une stabilité qui fait suite à 4 années de hausse. Dans les jours qui viennent, il va donc falloir jongler avec les prix et résister aux demandes des enfants. Mais la rentrée, c'est aussi une remise en route pour toute la famille. Benoît Bringer, Mathieu Drejeau. Cahier de brouillon, c'est fait. Protège-cahier, c'est fait. Ah oui, il me faut le dictionnaire. Il ne faut rien oublier. Sur non. Cette feuille, l'ensemble des fournitures que Véronique doit acheter pour ses 3 enfants scolarisés. La liste est longue. Les professeurs sont souvent exigeants. Cahier de texte, crayon, de couleur, feutre, ça à mon avis, ça n'en sert pas trop. Le cartable à roulette, il est à 53 €. Ça fait cher pour un cartable. Cher, surtout lorsqu'il en faut un pour chaque enfant. Seule avec un revenu modeste, Véronique bénéficie de l'allocation de rentrée scolaire. 257 € par enfant, un budget à ne pas dépasser. En général, je prends toujours la marque du magasin. Parce que la marque du magasin est la moins chère. Je voulais avoir des stylos, mais c'était trop cher. Parce que c'était des stylos à billes. Une fois à la maison, pour Véronique, le travail est loin d'être terminé. Pour son fils qui rentre en première année de maternelle, par exemple, il faut inscrire le nom sur chacun des vêtements. D'abord, après celui-là, après celui-là. Mais non. Autre préoccupation, les inscriptions administratives.
prévoyante, Véronique a déjà tout organisé. Ah là, tout est fait. Ma fille, elle rentre le jour même de la rentrée. Elle mange à la cantine et elle a son ticket de transport. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et la petite, c'est pareil. Dans cette famille, tout est donc prêt. La rentrée, c'est le 2 septembre. Encore 2 semaines de vraies vacances. L'esprit tranquille. 6 habitants de Lavaussou dans la Vienne viennent d'être condamnés à de la prison avec sursis pour avoir fait eux-mêmes la police dans la commune. Parmi eux, le maire et 2 adjoints. En janvier dernier, ils avaient séquestré pendant une nuit 2 adolescents soupçonnés d'être les auteurs de nombreuses agressions. Où s'arrête la solidarité? Où commence l'aide au séjour irrégulier? Le tribunal de Boulogne va tenter de répondre à cette question. Depuis ce matin, 2 militants de l'aide aux réfugiés comparaissent devant la justice pour avoir accueilli chez eux des clandestins après la fermeture du centre de Sangatte. Frédéric Vion. C'est la pire des hypocrisies. Malgré la pluie, ils étaient près d'une centaine ce matin devant le palais de justice de Boulogne-sur-Mer. Donc merci à celles et à ceux qui ont pu venir aujourd'hui. Pour la plupart, des proches des associations d'aide aux réfugiés venus soutenir 2 de leurs camarades, Jean-Claude Lenoir et Charles Framzel. 2 hommes qui encourent aujourd'hui jusqu'à 50 prisons et 30 000 euros d'amende et sont jugés en même temps que 7 Irakiens accusés, eux, d'être des passeurs. Car en accueillant chez eux des réfugiés qui cherchaient à gagner la Grande-Bretagne, Jean-Claude Lenoir et Charles Framzel ont enfreint la loi, un délit que les 2 hommes ne cherchent pas à nier, au contraire. Il y aurait peut-être eu des morts, tout au moins de très très graves blessures, si on ne s'était pas occupé des gens dans l'hiver 2002-2003, puisqu'il faisait moins 5, moins 10, qu'il pleuvait tous les jours, et qu'il y avait des enfants, il y avait même des bébés. On a hébergé des nourrissons de 8 mois, de 9 mois. J'ai rien fait de mal, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire bien avant, et je ne regrette pas ce que j'ai fait maintenant. Quelques semaines après la fermeture du centre de Sangatte, Charles Framzel nous recevait d'ailleurs chez lui, alors qu'il hébergeait des réfugiés, des Kurdes en majorité. Autre problème, Charles Framzel et Jean-Claude Lenoir ont aussi touché des mandats pour les reverser ensuite à des réfugiés qui, faute de papier, ne pouvaient pas les retirer eux-mêmes. Une circonstance aggravante aux yeux de la justice, les 2 hommes estiment quant à eux être victimes de ce qu'ils appellent un délit de solidarité. En 3 ans, le centre de la Croix-Rouge de Sangatte avait accueilli 68 000 migrants. Sa fermeture en 2002 n'a pas pour autant réglé la question de ces clandestins. Ils continuent à errer dans la région de Calais, bien déterminés à tenter leur chance de l'autre côté de la Manche. Amaury Guibert, Annick Kirtriboire. Ici, c'est le quartier des Africains de l'Est, au fond de la forêt, dans l'humidité. Ils dorment, entassés à 10 au moins, dans cet abri de fortune. Un peu de repos en pensant au départ. Moi, ça fait 2 mois. Certains restent ici 3 semaines. Certains, 1 journée. Ils réussissent à passer en 1 journée. Et puis d'autres restent 3 mois. L'Angleterre, par tous les moyens, même désespérée. Au stop, l'un a réussi à monter, un autre se charge de fermer les portes. Parfois, le chauffeur remarque quelque chose. C'est la fin du voyage, déjà. Ceux-là arrivent à monter, mais pas à fermer la porte. Le camion ira jusqu'à la zone d'embarquement des ferries. Calais, cette porte sur l'Angleterre, attire toujours les candidats au départ. Sangatte est fermée, mais ils sont toujours plus de 150 tous les soirs pour la traditionnelle distribution de nourriture. Ils savent que c'est dur à Calais. Le problème, c'est que quand vous êtes persécuté dans votre pays, que ce soit en Iran, en Afghanistan ou au Darfour, c'est pas le fait de savoir qu'il y a une soupe par des bénévoles ou qu'il y a des coups de matraque qui vous attendent qui va vous empêcher de quitter votre pays. Et à 50 mètres de là, un contrôle de police, ils sont très fréquents à Calais. Parfois, les policiers nous prennent ici, ils nous emmènent et nous relâchent à près de 100 km de Calais. Et la nuit, ils reviennent sur les aires d'autoroute. Tous les jours, tous les soirs, de nouvelles tentatives avec l'Angleterre en ligne de mire. Kofi Annan a présidé tout à l'heure une cérémonie en hommage aux 21 victimes de l'attentat qui avait touché il y a 1 an le siège de l'ONU à Bagdad. L'ONU perdait alors un de ses plus prestigieux représentants, Sergio Vieira de Mello. Cette disparition a marqué un tournant pour l'institution onusienne. Christian Autain, Didier Guyot. Une bougie pour chacun des 22 morts. Les familles des victimes sont au rendez-vous. 1 an après, la douleur est toujours là. Une cérémonie empreinte d'émotion et de retenue, cet après-midi à Genève, au siège de l'ONU.
Aujourd'hui encore, c'est un violent traumatisme pour les Nations Unies. Quel que soit le temps que cela prendra, j'espère de tout mon cœur que tôt ou tard les responsables auront à répondre de leur acte et que ce massacre délibéré ne restera pas impuni. L'ONU décapitée avec la mort de son chef de mission en Irak. Le Brésilien Sergio Vieira de Mello venait d'arriver pour une mission de 3 mois. Un diplomate chevronné. Le 19 août dernier, en pleine conférence de presse, un camion bourré d'explosifs percute le mur d'enceinte de l'ONU. Sergio de Mello est dans son bureau à quelques mètres de là. Coincé sous les décombres, il décède quelques heures après. L'un de ses gardes du corps, présent sur les lieux du drame, se souvient de l'homme. Sergio, qui pour moi était un samouraï de la paix, il avait du courage et du dévouement pour les Nations Unies et était parti à Bagdad pour faire quelque chose de grand, comme il avait l'habitude de faire. Une mission au goût d'inachevé. L'attentat a été revendiqué par Abu al-Zarqawi, chef d'Al-Qaïda en Irak. Mais un an après, les questions demeurent. La sécurité du bâtiment a été mise en cause dans un rapport. Aujourd'hui, une équipe restreinte des Nations Unies est revenue à Bagdad. Désormais, l'ONU sait qu'elle est devenue une cible de choix pour les terroristes. Un mouvement de grogne touche en ce moment les prisons israéliennes. 1500 prisonniers palestiniens et leurs familles ont entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. Israël reste sourd à ce mécontentement, estimant que ces détenus sont avant tout de dangereux activistes. Martine Laroche-Joubert. C'est l'heure de la prière dans la prison de haute sécurité de Beersheva. Un rituel où ces détenus puisent toute leur énergie. Ils sont en grève de la faim depuis dimanche. Sur 3800 Palestiniens considérés comme dangereux par les Israéliens parce qu'ils ont commis ou préparé des attentats, 2600 ne s'alimenteraient déjà plus. Un jeûne qui risque de s'étendre. Nous n'avons pas le droit de parler aux prisonniers, mais nous connaissons leurs exigences. Ils réclament des téléphones publics dans les prisons, la suppression des vitres qui les séparent de leurs proches dans les parloirs et la fin de fouilles corporelles humiliantes selon eux, des revendications dont les autorités pénitentiaires ne veulent pas discuter. Question de sécurité. Nous ne pouvons pas accepter leurs demandes car elles permettraient aux terroristes de continuer leurs activités en donnant des instructions pour attaquer les citoyens israéliens à ceux qui travaillent pour eux en dehors des prisons. Une grève de la faim soutenue à l'extérieur, à Gaza et dans les villes de Cisjordanie. Des milliers de Palestiniens descendent dans les rues en signe de solidarité. Sur cette oriflamme, Arafat et à droite le plus célèbre prisonnier palestinien, Marwan Barghouti, chef du Fatah en Cisjordanie. Une guerre psychologique s'engage pour preuve. Ces images remises aux journalistes par la police pénitentiaire, on y voit manger Marwan Barghouti avant-hier selon la date inscrite, mais un trucage est possible. Quoi qu'il en soit, les responsables de la sécurité en Israël ne mâchent pas leurs mots. Ils peuvent mener une grève d'un jour, d'une semaine, d'un mois, ou même mourir de faim. Un véritable bras de fer. Pour le moment, personne ne semble vouloir céder. Si leurs revendications ne sont pas satisfaites, les prisonniers promettent de mettre le feu aux poudres sans davantage de précision. En pleine campagne électorale, rien n'échappe à la presse américaine. Les journaux font leur chou gras des lapsus et des erreurs de syntaxe de George Bush. Un vocabulaire qui contraste avec le langage plutôt châtié de son concurrent démocrate John Kerry. Correspondance Pascal Golemer. En proposant une conversation à bâton rompu à ses supporters hier, George Bush prenait un grand risque, le lapsus. Et cela n'a pas manqué. Lorsqu'il raconta l'histoire de ce bijoutier irakien amputé des deux mains par Saddam Hussein pour trafic de devises. Cet homme avait acheté des euros et des dollars pour se procurer de l'or pour fabriquer ses bijoux. Et comme le dinar soviétique a été dévalué, Saddam l'a exclu de la société. C'est bien sûr du dinar irakien dont il voulait parler. Et ce commerçant, George Bush l'avait justement reçu à la Maison Blanche en mai dernier, ce qui lui avait inspiré cette formule malheureuse. C'est un honneur pour moi de serrer la main de cet Irakien courageux qui a eu la main coupée par Saddam Hussein. Et la liste des bévues, des fautes de grammaire et de vocabulaire s'allonge de jour en jour. Des fautes qui peuvent sonner parfois très mal à l'oreille. Les terroristes recherchent sans cesse de nouveaux moyens de nuire à notre pays, et nous aussi.
Piètre orateur, George Bush n'a d'ailleurs jamais rien fait, y compris avant son élection, pour gommer sa réputation d'homme inculte. Ce qui lui avait valu cette interview en forme d'examen, où il ne connaît pas le nom du Premier ministre indien. The new Prime Minister of India is, no. Les électeurs ne lui en ont jamais voulu, et les analystes politiques continuent de penser que son côté cow-boy qui ne se pose pas de questions reste l'un de ses meilleurs atouts pour l'élection à venir. Surtout face à un John Kerry qui a toujours beaucoup de mal à faire oublier ses manières un peu guindées. Kerry l'intello face à Bush le simplet, humoriste et dessinateur s'en donnent à cœur joie aux électeurs américains de trancher dans un peu plus de deux mois. Ce matin, Dominique de Villepin a ouvert les célébrations du 60e anniversaire de la libération de Paris. Une cérémonie s'est déroulée à la préfecture de police. Le 19 août 1944, les Parisiens découvraient un spectacle inattendu. Le drapeau français flottait sur le toit du bâtiment, le symbole d'une police qui s'insurge contre l'occupant allemand après 4 années sombres. Retour sur cette page d'histoire avec Vanessa Rouet. 19 août 1944, sur ces avenues vides, Paris sent que quelque chose se prépare. Un vent de révolte souffle sur la capitale. Les troupes allemandes battent en retraite. Les réseaux de la résistance appellent la population à la mobilisation générale. Et soudain claque le premier coup de feu. Le signal de l'insurrection vient des policiers. Tôt ce matin-là, par centaines, ils prennent d'assaut la préfecture. Et pour la première fois depuis 4 ans, hissent le drapeau tricolore, signe que l'édifice public est aux mains des insurgés. Je me souviens très bien qu'ici, dans ce bureau, déjà des... Je pense que c'était des collègues que je ne connaissais pas, qui s'apprêtaient déjà à prendre part au combat. Les combats s'intensifient au fil des heures. Dès l'après-midi, les résistants dotés d'un armement improvisé tiennent tête à la riposte allemande. Rapidement, l'insurrection se répand dans les rues de la capitale. Et soudain, le cœur même de Paris commence à battre et à se battre. Les gens étaient contents. Enfin faire quelque chose pour retrouver la liberté et chasser les Allemands de Paris. Et ils ne pouvaient être chassés que par la population. Cette fois, Paris se libérait lui-même. Et chaque Parisien ressentait cette émotion particulière. J'ai retrouvé ma dignité. Chaque convoi allemand est attaqué, les occupants tués ou capturés, les armes récupérées. En fin de journée, certaines mairies et ministères seront sous le contrôle des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Le problème qui se pose, c'est justement ce manque de préparation de l'insurrection, du soulèvement, et bientôt les munitions manquent, le ravitaillement, quel qu'il soit, manque. Ce manque de préparation pousse les insurgés à accepter dans la soirée une trêve. Un cessez-le-feu qui n'empêchera pas au matin du 20 août la prise cette fois de l'hôtel de ville. Retour au JO avec, je vous le disais au début de cette édition, la médaille d'or du sabre par équipe. Vous revoyez le podium. La Marseillaise a donc résonné il y a quelques minutes dans la salle d'escrime. L'équipe de France a remporté la médaille d'or face à l'Italie. La victoire de 3 hommes, vous les voyez, Gaël Touya, Damien Touya et Julien Pillet. Damien Touya qui est en direct avec nous d'Athènes, entouré de toute l'équipe. Bonsoir à tous. Félicitations. Bonsoir. Vous réalisez ce qui vient de vous arriver, tous les trois? Non, pas trop encore. C'est encore frais. Je pense qu'on réalisera dans les jours qui viennent. Mais c'est un grand moment à vivre et on va essayer d'en profiter jusqu'au bout. Beaucoup de bonheur et pourtant dans la journée, tout aurait pu basculer à cause de votre blessure à la main. On va la revoir, cette blessure. Sympa. Vous pouvez la commenter avec nous. Tout aurait pu basculer. Pardon ? Tout aurait pu basculer à ce moment-là. Oui, bah c'est vrai qu'il me transperce un peu la main. Mais après, bon, le staff médical a fait un super boulot derrière et j'ai pu reprendre le match. Et après, bon, ça se joue à pas grand-chose. Ça nous a souri aujourd'hui et tant mieux, c'est pour tous ces mois de galère qu'on a vécu avant. Ça va mieux ce soir parce que pendant 10 minutes, il y a eu un gros suspense. On se demandait vraiment si vous étiez gravement blessé. Oui, bah, ça va mieux. On m'a recousu la main quand même. Montrez-nous cette main. Donc, bah, allez, elle est pas belle. Non, mais ça va mieux. Quand il y a la victoire au bout, tout va bien. Et c'est vraiment une victoire de tout le groupe. Je voudrais associer tout le groupe de l'INSEP et sans oublier Mathieu Gourdin qui nous ont aidés
à conquérir ce titre. Mais vous avez pensé... Plus les entraîneurs. Plus les entraîneurs, bien sûr. Il y a beaucoup à Jean-Philippe aussi qui nous regarde. Est-ce allô, que, oui, est-ce que vous avez pensé à abandonner à un moment donné pour le dernier point? Oui, c'est vrai que cet après-midi, ma main me faisait souffrir. J'ai fait un test à l'échauffement avant la finale. J'ai vu que ça tenait, donc j'ai dit banco et je le regrette pas. Et c'est de super moments pour moi et pour toute l'équipe. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? La fête, je suppose. Non, on va aller se coucher, je pense, dans pas longtemps. Et une petite verveine et au lit, parce qu'on est un peu fatigué. Merci, on le comprend bien. Merci à vous trois pour cette belle médaille d'or. Merci beaucoup. Équitation, les Français vont-ils récupérer la médaille d'or? Le feuilleton continue. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis vont saisir demain le tribunal arbitral du sport. Hier soir, sur notre antenne, vous avez vécu avec nous ce suspense autour de cette médaille d'or si controversée. Manuel Tissier. Les cavaliers français montent au combat. Médaille d'argent autour du cou. L'équipe de France de concours complet se réveille ce matin avec des sentiments mitigés. La joie d'un podium, bien sûr, mais aussi la furieuse envie de récupérer la médaille d'or devant la justice sportive. Chers amis, je suis très heureux, le concours a été dur. Je pense que nous avons un bon dossier. Je pense que le tribunal, avec les arguments que nous avons, ne peut pas ne pas nous accorder cette médaille. Elle nous revient de droit. Après le terrain, voici le temps des conciliabules en coulisses. Les juristes français vont présenter ce document au tribunal arbitral du sport. La cavalière allemande Bettina Hoy passe la ligne représentée par cette pyramide bleue au premier plan. Le chrono s'enclenche, mais le cheval n'attaque pas l'obstacle. Bettina Hoy revient sur ses pas et passe à nouveau la ligne. Une faute de débutante, sanctionnée par le jury dans un premier temps, la bonne décision selon les Français. Le sport, c'est quand même quelque chose où il y a des règles extrêmement précises. Quand on commence à y déroger parce que ça nous arrange, je trouve que le sport est en péril. Le podium du concours complet n'est donc pas encore définitif. Les Français, soutenus par les Anglais et les Américains, sont optimistes. Dans quelques jours, ils pourraient monter une marche. 4 ans après Sydney, l'haltérophilie est à nouveau entachée par des cas de dopage. On a appris que 7 athlètes ont été contrôlés positifs. Ils ont immédiatement été exclus. Un point positif pour les organisateurs de ces Jeux 2004 qui défendent l'idée d'une compétition propre. Nicolas Jay. L'haltérophilie dans les mailles du filet. 7 athlètes ont été contrôlés positifs. Parmi eux, ce champion moldave. Mais on cite aussi un Hongrois, un Indien et un Turc notamment. Tous ont été immédiatement exclus des Jeux, alors même qu'ils ont été contrôlés avant le début des épreuves. Ils ont été contrôlés pendant la période des Jeux. Pour nous, la période des Jeux, ça veut dire entre le 30 juillet et le 29 août. Pendant les Jeux, le CIO contrôle systématiquement les 4 premiers de chaque compétition, plus des athlètes tirés au sort. Au total, 3000 tests vont être effectués, c'est 25% de plus qu'à Sydney. Mais grande nouveauté, en plus des tests urinaires, des contrôles sanguins sont réalisés. À ce jour, 890 tests urinaires, 326 tests sanguins. Mais ce n'est pas tout, les prélèvements vont être conservés au moins 3 mois. On l'informe le sportif, comme quoi on va garder ces échantillons. On part du principe qu'il y a peut-être des produits qui existent ici, qu'on ne sait pas encore détecter, mais que la technologie va nous permettre de détecter dans quelques mois. Coïncidence ou pas, depuis le début des Jeux, une 20aine d'athlètes n'a pas pris part aux compétitions. Parmi eux, 2 Éthiopiens favoris du 10 000 mètres et du marathon seront étrangement absents. Cette journée a aussi été marquée par une nouvelle bérésina pour le judo français. Beaucoup de déceptions après la défaite de Ghislain Lemaire et de Céline Lebrun. Retour sur les moments forts de cette journée avec Julien Benedetto. Malia Metella rêvait d'imiter sa grande copine Laure Manaudou. Troisième en partant du bas, elle prend un mauvais départ en finale du 100 mètres nage libre. Mais elle se bat jusqu'au bout pour finalement échouer au pied du podium. Quatrième, le bronze lui échappe pour 10 centièmes. L'or revient à l'Australienne Henry. Tout avait si bien commencé pour Céline Lebrun en kimono bleu. En quart de finale, elle est opposée à une Brésilienne, ou plutôt à un Brésilien. Né homme, Eddie Nancy Silva s'est fait opérer il y a 10 ans pour devenir une femme et une coriace judokate. La Française a besoin d'une prolongation pour venir à bout de la transsexuelle.
Un vrai combat d'homme en fait, qui a certainement épuisé la Française. Elle craque en demi-finale contre la future championne olympique japonaise, avant de se faire surprendre en repêchage. Pas de médaille pour le brun, pas de médaille pour le maire non plus, ici en blanc. Zéro podium pour le judo masculin français à Athènes, du jamais vu depuis 1972. Concours individuel de gymnastique. L'américain Paul Hamm, grandissime favori, est en tête. Il s'élance à la grille du saut de cheval. À ce niveau de la compétition, ce genre de raté est normalement rédhibitoire. Mais les juges ne lui en tiennent pas rigueur et le consacrent quand même champion olympique. Les Coréens, deuxième et troisième, n'ont toujours pas compris. L'américain Nelson, lanceur de poids, est plutôt du genre très motivé. Mais sa détermination sans limite lui joue des tours. Chute. Et c'est mordu pour son dernier lancer. Il doit se contenter de la médaille d'argent. Et parmi les supporters des athlètes français, on compte bien sûr les familles. Elles sont nombreuses d'avoir fait le déplacement à Athènes. Un soutien de taille, mais qui se fait à distance. Elles ne logent pas au même endroit que les sportifs. Les rencontres sont donc furtives. Christophe Duchiron. Lors des séries de 800 mètres nage libre ce matin, loin devant les autres et d'une certaine manière seule en course, nageait Laure Manaudou, qui depuis hier n'est plus seule à Athènes mais en famille, elle au village olympique. Ses parents et ses deux frères à la piscine ce matin et à l'hôtel cet après-midi. A l'invitation d'un hebdomadaire à grand tirage, la famille Manaudou a quitté la France pour encourager Laure de visu et de vive voix. Le fait de pouvoir entrer sur le bassin olympique, de voir la foule dans les tribunes, l'ambiance, l'atmosphère. En plus voir qu'à la fin de la course, Laure nous a aperçus et nous fait coucou, c'est beaucoup plus sympa qu'à la maison, bien sûr. Dans la grande famille des supporters de kayak, la famille Péchier est sur place. Les deux fils en compétition sur l'eau, les parents à terre. Ce matin, Benoît descendait. Son père, lui-même ancien champion du monde, regardait. J'apprécie donc l'aspect technique et moins l'affectif parce que sinon je ne regarderai pas. Dur pour les nerfs et parfois pour les sentiments. Fabien Lefebvre, le brillant kayakiste, a la chance d'avoir sa fiancée à Athènes. Ils sont séparés à cause de la compétition, si loin et si proches l'un de l'autre. Il a envie de faire plaisir aux supporters, il a envie de réaliser son rêve. Donc je pense que moi je suis comme lui, quoi. Voilà. Sur le ring en rouge, Redouane prend des coups. En tribune commentateur, son frère Brahim verse une larme. C'est lui l'ancien champion olympique qui souffre. Redouane, battu en moins de 48 kilos, réconforté par son aîné, émouvant corps à corps et cœur à cœur. T'as rien à trop projeter, là t'as fait le maximum. Bien sûr, je m'en fous. C'est tellement beau ce que tu viens de faire. T'es deux plus courageux que moi. À Sydney, où tu veux. En tout cas, moi je suis bien. Ouais, c'est dur. Je comprends ma mère et mon père, mes frères aussi. C'est un beau sport, mais c'est plus facile quand tu le pratiques. Il est parfois difficile à tenir le rôle de la famille. Surtout quand on assiste impuissant au spectacle de la défaite d'un être si proche. Voilà, et ce soir, la France est 7e au classement général des médailles avec 4 en or. En tête, bien toujours la Chine avec 14 premières places. Viennent ensuite les États-Unis, le Japon et l'Australie. Un mot de football pour constater que l'équipe de France n'a pas brillé hier soir lors de son match amical face à la Bosnie. La nouvelle sélection de Raymond Domenech a fait match nul un partout. But signé Luin Dula et Grelic pour le camp bosniaque. Prochaine rencontre des Bleus dans 15 jours face à Israël. Le temps peut-être de peaufiner la stratégie. Des touristes qui se massent sur le littoral de la Côte d'Azur et des habitants qui fuient la foule depuis plusieurs années. Les Niçois et les Cannois sont nombreux à se retirer dans les terres en juillet et en août. Objectif, trouver un peu de fraîcheur et s'éloigner de l'agitation estivale. Olivier Théron, Frédéric Serrouli. Alors que sur les plages, on s'entasse dans la chaleur, ici dans le Mercantour à Saint-Étienne-de-Tinée, une heure de Nice, on bronze dans la fraîcheur. L'eau est à 17 degrés, 10 de moins qu'en Méditerranée. C'est bon, l'eau froide pour la circulation. Ces vacanciers du calme habitent tous la côte. Mais dès le mois de juillet, ils préfèrent prendre un peu d'altitude.
La nuit ici en montagne, on dort bien. À Nice, on dort moins bien. La pollution aussi, ça nous permet de nous ressourcer toute l'année parce que toute l'année, on est au milieu de la pollution. Mais il y a moins de monde. Il fait moins chaud. Et il y a moins de touristes aussi. On est plus entre nous. Pourtant, privés de plage, les enfants de la côte s'amusent bien quand même. On va faire le parcours du singe, on fait du vélo, on fait tout. Quand on fait du vélo, on peut aller où on veut. Et si on se perd, on a juste à téléphoner à nos mamans, c'est tout. Le village et la station d'Oron ont vite compris que si les enfants s'amusent, les parents se reposent. Avec toutes les activités proposées, c'est un pari gagné. Autre atout, le prix des loyers, bien moins élevé qu'en bord de mer. Les gens aiment être à leur aise l'été, beaucoup plus que l'hiver. L'hiver, on va prendre un studio, on vient là pour une semaine. Tandis que là, les séjours sont beaucoup plus longs. Ça varie de un mois minimum jusqu'à deux mois. Pour parer à toute éventualité, un camping municipal a été ouvert il y a 3 ans. Il ne désemplit pas. Les besoins en air frais des Niçois ou autres Antibois seront assurés jusqu'au premier jour de l'automne. Vous essayez de me donner la date maximale. Moi, jusqu'au 30 septembre, vous pouvez rester. C'est pas de souci. Comment éviter la disparition des poissons au fond de la mer? En France, les pêcheurs proposent une solution. Des récifs artificiels pourraient servir de refuge à de nombreuses espèces. Exemple dans l'Aude, au large de Narbonne, Nicolas Châteauneuf, Jean-Marc Nouknouk. Des dizaines de poutres en béton posées au fond de la mer. À première vue, cela ressemble à l'œuvre d'un pollueur indélicat. Mais voici en fait ce qu'on appelle un récif artificiel. 12 mètres plus haut, Pierre et Laurent, deux biologistes marins, s'apprêtent à plonger sur le site. Nous sommes au large de Gruissant, dans le golfe du Lion. L'objectif du récif est de créer dans cette zone sableuse un environnement rocheux propice à la vie. Un an après l'immersion, le résultat impressionne. Organismes filtreurs, crustacés, jeunes poissons, dont certains experts en camouflage, c'est tout un écosystème qui se reconstitue lentement sous les yeux des scientifiques. Ici, les récifs, en l'espace d'un an, sont totalement recouverts. On a vu dans d'autres coins du golfe du Lion, le volume du récif qui était multiplié par 3 en 2 ans seulement. Actuellement, 25 récifs différents sont posés le long des côtes de Gruissant. Chacun fait l'objet d'un suivi, car les études montrent que leur architecture et leur situation ont leur importance. Selon la forme qu'on va donner au récif, on va avoir des résultats différents. Et les Japonais sont très en avance sur nous. Il y a des catalogues entiers de récifs différents. Nous, on est encore au balbutiement. On utilise des matériaux de récupération. Les premiers à se réjouir, ce sont les petits pêcheurs de Gruissant. Grâce aux récifs artificiels, les poissons se reproduisent plus facilement. Les pêcheurs remontent dans leur filet des espèces à forte valeur marchande. Et en plus, ils se protègent du chalutage illégal. Avant, on calait les filets dans ces endroits, on se faisait prendre les filets par les chalutiers. Donc ça veut dire que les chalutiers passaient dans ces zones. Voilà. Et maintenant, à cause des récifs, ils vont éviter la zone. La France a déjà immergé 44 000 mètres cubes de béton au large de ses côtes. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est très peu au regard du Japon. Dans ce pays précurseur, les récifs artificiels représentent 20 millions de mètres cubes posés au fond de l'eau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, le point roux de Valérie Maurice. 20h55, la finale d'Interville présentée par Nagui et Juliette Arnaud. Demain à 20h et durant le week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg et dès lundi, David Pujadas. On se quitte sur ces images du temple de Poséidon au Cap Sounion en Grèce. Athènes a choisi de mettre en valeur son patrimoine à l'occasion des Jeux Olympiques. Le site antique sera désormais illuminé plusieurs fois par an. Bonsoir à tous, à bientôt.